Bonjour à tous, ici Sprenex et bienvenue dans ce 14e épisode de Let's Play sur The Wandering Village. Allez, on continue. Oui, tiens, on est plus dans le désert en fait. Donc ici, les cactus, on peut les arrêter. Et ici, on retourne sur les betteraves. On aura notre carrière qui est bien. On va continuer à faire des huttes. Oh. Ah oui, mais un petit orage. Pas grave, on va réparer. Alors, trébucher à nourriture. Maintenant on a la cuisine d'embout et c'est trop grand, on va le poser là. Alors, on va continuer. On va remettre bien entendu les puits aériens en marche. Parce qu'il faut de l'eau pour la nourriture. Et là, on a zéro de nourriture. Donc, on va vite remettre en marche aussi le récolteur de baies. Succomber au poison, j'ai oublié de réactiver le médecin de village. Bon, c'est pas grave. Quel poison en fait? Bon, c'est pas grave. Hop, la fin. Celle qui ne justifie pas les moyens. On va arrêter de... au moins arrêter de faire des planches. On en a plus cassé. Ici, plus qu'une personne. Ici, une personne. Il faut de la nourriture. Et il faut de l'eau aussi, hein, mais... un ragoût de champignons. On va essayer de... collecteur de fumier. On va arrêter de faire des herbes pour l'instant. Beaucoup de vos villageois sont empoisonnés. Bah oui, mais... pas grand chose là. J'ai un médecin maintenant, s'ils veulent pas se faire soigner, j'ai envie de dire qu'est-ce que j'y peux. Bon, arrête de miner. Voilà. Il faut de la nourriture, moins de recherche, il n'y a plus de poste de travail, ok, voilà, zéro.
plus personne nulle part. Si, toi là, il sert à rien. Faut qu'on regroupe. Centre de recherche, allez non, on arrête les recherches. Voilà, on fait de la nourriture. Bon, les explorateurs sont contaminés. Ah non. Hop, on va envoyer au village qui est là, voir s'il y aurait du monde qui pourrait remplacer nos pertes. Si je diminue de 1. Accueillir, voilà, accepter, envoyer l'équipe là-bas, démolir ça si c'est possible, et on va mettre une hutte à... non pas une hutte, un puits aérien à la place. Autre priorité. Hop. Bon, en fait l'eau non ça va, mais ouais, enfin faut quand même. Alors il y a des nomades qui se baladent. Mon goût commence à avoir faim. Trébucher une nourriture. Ça va être ici, là par exemple. Un peu accueillir encore du monde. Accepter. Ok. Très bien, les accueillir, valider, accepter, on envoie une équipe là-bas, je vais mettre une nouvelle ferme. Si je la pose là... occupé de réfléchir, hein. Peut-être que mes dispositions, mes placements sont pas bons, mais j'essaie de voir.
faire. Très bien. Il faut de la pierre, ben on va s'en faire de la pierre. Mystérieuse propriété, dans les profondeurs de la forêt empoisonnée, vos pierres découvrent ce qui était autrefois une mystérieuse propriété, un immense manoir, blablabla. Alors, on va voir ce qu'il y a de précieux. 19 planches de bois, 17 dalles de pierre, allez hop. Merci les gars, ça fait plaisir. Alors, hop. Bon, ce sera de la flotte de toute façon. Donc... on va remettre la recherche en route. Alors ici, toi... voilà. Hop. Et ce sera du maïs quand... il y a des trucs qui m'ont cassé, ouais forcément. On répare, on répare. Et c'est tout. Ouvrir l'arbre de recherche. Ressources, collecteur d'eau de mer. C'est parti. Ok, hop. Non, j'ai assez d'eau. Il faut envoyer de la nourriture à notre très cher Hombu parce que là, il y a la dalle. Voilà. Il va dormir sur son lit là. Collecteur de fumier, il va venir ouais, ici. Ok, il va pouvoir dormir. On va pouvoir le nourrir après, hein. Hop, j'ai du bois. J'ai de la pierre. J'ai des planches, j'ai des dalles. Et j'ai la dalle surtout. Mmh.
une batterie de canon. Les batailles de cette forteresse comportent les restes d'une grande batterie de canon. Ils ont l'air vieux et rouillés, mais certaines parties peuvent encore être utilisables. Examinons les canons. Nous ne pouvons pas ignorer une trouvaille rare comme celle-ci. Nous devrions les manipuler avec la plus grande prudence, car ces armes pourraient être encore dangereuses. Il est trop dangereux de s'approcher. Tenons-nous à notre objectif initial. Allez, on peut pas ignorer. Merde. Vos pierres fouillent dans les débris de l'artillerie lorsqu'ils sont brusquement interrompus par une explosion. Là où l'un d'eux se tenait il y a quelques secondes, il ne reste qu'un cratère. Les autres se retirent soigneusement, malheureusement. C'est dommage, mais c'est la vie. Ok, donc on renvoie des choses. Qui passe ce bois. Ensuite, ce sera ce bois-là. Et à la fin, ce sera la forteresse qui est là. Puisque, ben, ça, on va se rapprocher. Composteur. Non. Ouvrir l'arbre de recherche. Ressources. Évaporateur. Non. Oui. Hop. Parce que la cabane de pêche, ce sera important. Ok, pour l'instant, ça se maintient. Voilà, très bien, on a fini. 10 bois, je vois. Et donc, on peut aller à la forteresse qui est là. Voilà, on va te désactiver, tu sers plus à grand chose pour le moment. Là c'est plein. Collecteur d'eau de mer. Voilà. Je vais éviter de trop mettre dans le. Parce qu'on en aura besoin plus tard la zone de terre. Quoi qu'il y a encore celle-là, vous allez me dire, mais elle est un peu loin. Très bien. 13 pierres à porter. Voilà, on ramène du monde dans le corps. On va arrêter de tailler des pierres, on va arrêter de scier du bois. Allez au nord, il accepte. C'est bien, parce que comme ça, il pourra manger. On a des nomades juste derrière. Parfait. Comme ça, toi ici, hop, on peut t'arrêter. Ça sert à rien de te garder puisque il va pouvoir manger à sa faim. En tout cas, j'espère. Hop, les bruits de baie, tout ça, on peut arrêter. Hein, on n'a pas besoin. On peut réactiver. Allez, on va essayer de dégager cette souche. 36 encore.
je vois que Twitch s'est redevenu stable. Il était temps. Ok. Pharmacie en goût, non, composteur. Où est-ce que tu serais, le composteur? Ressources. Composteur. Ah, en plus tu dors, mais c'est très bien ça. T'as mangé et tu dors. L'équipe d'exploration bientôt finie ici. Qui rapporte des champignons. On envoie vite fait vers le sanctuaire qui était plus bas. Plus au sud. Hop, l'atelier de pêche, on peut déjà le poser. Bon, ici. Collecteur d'eau de mer, je l'ai posé ici. Hein, ouais. Mais comme il n'y a pas d'eau de mer... C'est très bien tout ça. Là, c'est une partie où j'ai l'impression d'être bien... Bon, je ne vais pas parler trop vite. Et ça me semble bien parti. C'est bon. Bon, bah tant qu'on est là, une troisième hutte. Ouais, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour... ça. Hop. Alors, tu as déjà mangé. Donc... encore au bout hein, parce que là il y a la moitié de sa faim. Parce que de la pierre du bois, ok. Alors, groupe de nomades, on les accueille volontiers. 5. Certains sont empoisonnés. Les deux sont intéressants, pharmacie en bout et plus rapide à faire. Pour l'instant, on n'a pas de contamination sur le... sur le dos de Hongou, donc hop, très bien, c'est rapide, c'est pas cher et ça donne des ressources. Alors on peut remettre en activité la scierie et le tailleur de pierre.
aussi, minerai de fer. Ok. Hop. Suivant. De rue, elle est posée, mais ça marche pas. Bon, alors il fait pas assez noir pour de pour dire de ok, tout ça très bien, hein. 5 minerais de fer. Alors le composteur, personne n'aime ça, c'est caca. On va le mettre par ici, hein. Voilà, alors ouvrir l'arbre de recherche. La récolte de blé. Pas mal inactif là. Pour la nourriture, tout va bien. Ok, on va pouvoir manger. C'est parfait. Hop, on va envoyer une équipe dans la colonie en ruine. On va faire juste une petite route ici pour dire l'heure. Ok, il a mangé, il va pouvoir se reposer. Bientôt, ouais, il est fatigué. Très bien. Bon, bah pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Là, on est occupé de faire du compost avec le fumier.
échange de marchandises. Vos explorateurs rencontrent un groupe venu d'un refuge proche qui explore aussi la colonie. Ils proposent un échange. Ils ont l'air épuisés. Nous pourrions leur donner un peu de notre eau. Bon, la nourriture, c'est pas possible parce que c'est du pain. Bah oui, hop. Reconnaissant, ils vous offrent les biens qu'ils ont récupérés. Du verre, du fer et... Oui, bien entendu, l'eau qui disparaît. Ouais, pour du verre et du fer, ouais, pourquoi pas. C'est pas du minerai de fer, hein, c'est du fer-fer. Bon, ben... Je mets en pause et on s'arrête là pour cet épisode. On continuera donc suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, pour me le dire. Un petit pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.